Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, vidéo donc sur les accessoires pour la caméra Mijia. Je viens de recevoir ça ce matin. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est un paquet que j'ai acheté. C'est marqué ici du 16, donc en un. Donc, j'ai une petite mallette, les accessoires ici. On va regarder si dans l'emballage, il y a bien tout qui correspond à la description. Donc, ici... moi, ici, vous la voyez ici affichée à 19€, mais moi, je l'ai eu pour 13,40€ en déduction de mes points. Hein. Comme je vous ai dit, à force d'acheter sur Gearbest, vous récoltez des points, vous faites des petites photos, une petite review pour les autres clients. Et en échange, Gearbest vous donne des points. Ces points-là, vous pouvez les déduire sur votre prochaine commande. Donc, c'est donnant-donnant et je trouve ça un principe parfait. Et en plus, on arrive toujours à voir les prix moins chers, des moins chers. Donc, même sur AliExpress, ils sont affichés. Par exemple, là, vous voyez déjà le très bon prix à 19€ sur Express. Quand j'avais regardé, quand je voulais acheter les accessoires, c'était dans les 20, 21, 22€. Donc voilà. Donc moi, j'ai eu quand même pour 13,40€ en déduction des points. Donc c'est quand même pas mal. Donc... pour les accessoires, ils sont là, donc ils sont livrés dans un plastique normal, hein, toujours en free shipping. Donc là, c'est 19€, donc j'ai payé 13€, même si ça aurait été retenu par la douane avec un justificatif, j'aurais pas eu de frais. Donc voilà, respectez bien la règle des 21€. De toute façon, Gearbest aussi, hein, comme la caméra Mijia, ils m'ont fait une déclaration à 19$, donc alors que j'ai payé 62€. Donc, allons-y, regardons un peu des ballons, parce que là j'ai plein d'accessoires. Donc le prochain test qui va suivre, ce sera la T-Class, sûrement les deux. Donc aujourd'hui, on est le 7 février 2018, sûrement ça va suivre. Et je vais essayer de filmer avec la caméra, je vais essayer de vous faire la review avec la caméra Mijia. Donc, allons-y, des ballons, tout ça. Petit ciseau, comme d'habitude. Donc, ils mettent les accessoires en dehors de la mallette. C'est étrange, hein, qu'ils mettent la mallette. Et à la place de mettre les accessoires dans la mallette, ils les mettent à l'extérieur. Je sais pas pourquoi. Donc la mallette, elle est bien grande, hein, elle est bien grande. Je pensais qu'elle serait plus petite, mais bon. Ici, dans la mallette, vous avez un support en mousse qui est prédécoupé pour mettre les accessoires. Donc je suppose que si vous n'aimez pas le truc en mousse, hein, pour protéger, vous pouvez l'enlever, hein, et mettre autre chose. Voilà, ici. Bon, je suppose que si on veut d'autres formes, on peut les découper. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. J'espère que vous voyez correctement. J'ai un peu surélevé. Voilà, j'espère que c'est parfait. Hop, voilà, donc ça, on va déballer, donc c'est bien, tout est séparé dans chaque petit sachet, parfait. Donc ça, ça doit être le support, donc pour le mettre sur son ventre, donc pour accrocher ça sur son ventre, mettre ça, ok, je vais regarder si c'est compatible. Non, c'est l'autre sens. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Voilà. Donc ça marche parfaitement, c'est compatible avec les accessoires. Donc c'est comme les accessoires GoPro, hein, pas de problème. Donc ça se clipse, ça se déclipse assez facilement. Voilà, donc un accessoire. Donc on en a un. Avec la mallette, ça fait deux. Donc ici, on a une ventouse. Donc ça c'est bien, donc je vois qu'il y en a qui les accrochent sur leur voiture. Ici, et là on peut mettre la caméra, donc je suppose que c'est comme ça.
que ça marche parfaitement. Donc là, ventouse, regardons s'il n'y a pas de film ici, non, si ça colle parfaitement. Est-ce que j'ai un accessoire pour le coller ici? Je pense pas. On va essayer ici, peut-être sur la lampe. Bon, pour l'instant, je vois pas. Donc la ventouse. Donc je vais aller la coller sur un miroir, par exemple, sur ma vitre, et je vous ferai mon retour. Donc voilà, je vous ai ramené une petite assiette, hein, pour vérifier. Donc j'ai fait sur la vitre. Ça va, ça tient, mais bon, ça veut pas. Mais pff, la ventouse, elle est pas top top, hein. Elle est pas, c'est pas la meilleure qualité. C'est pas avec ça que. Ouais, bon, ça tient, mais il faut bien la gripper. Et ouais, il faut avoir confiance. Mais sinon, c'est solide, hein. C'est solide, je peux même plus le décrocher ici. Mais il faut s'y reprendre plusieurs fois avant que ça agrippe, hein. Hop, mais on peut quand même sans ici, si on tire un peu à la fois, bah on peut l'avoir dans les mains. Donc voilà, donc ça, c'était pour ça. Donc on est à 3 accessoires. Voilà. Après ici, nous avons quoi? Donc ici, on a un autre accessoire. Donc ça, c'est pour la perche selfie, sûrement. Qui n'est pas dans un plastique. Ici. Ici, ça, c'est le bracelet. Donc ça, c'est le bracelet pour mettre à son poignet. Pour mettre la caméra sur son poignet. Donc, je vous montre correctement ici. Je vais vous mettre le bracelet. Moi j'ai des poignets très fins, donc c'est bien, c'est adapté à toutes les tailles. Voilà, est-ce que... Ah, ici, lock. Ah, donc ça tourne. C'est pratique ça, ça tourne. Et on peut bloquer si on veut pas que ça tourne. Voilà. Donc ça, je ne savais pas. Parfait. Donc encore un bel accessoire. Donc le petit accessoire ici avec le pas de vis. Donc pour accrocher... par exemple ça, si on veut le mettre sur d'autres accessoires. Voilà, donc là on est à 1, 2, 3, 4 accessoires, 5 avec la mallette. Ici on a d'autres accessoires, donc des vis. Hop. Donc c'est un prolongateur sûrement, donc là il faut un tournevis. Donc je vois pas pourquoi ils mettent ça ici, mais là ils ont mis un vis, donc on peut soit mettre un vis fixe ou ça. Bon, donc ça doit prolonger, hein, pour une extension. Voilà ici, hop. Donc je sais pas si c'est compté pour deux ou pour un, on va regarder après. Ici aussi plein de pièces, donc ça c'est pour mettre sur un guidon de vélo ou moto, hein. Donc ça c'est bien aussi pour ceux qui veulent ça pour leur moto ou leur vélo. Donc là on a une perche selfie. On va regarder si elle est de qualité quand même. Donc, je pense que c'est une des perches qui se vend aller dans les 2 euros ou 1 euro. Donc oui. Donc là il y a un pas de vis ici. Donc le poignet. Et très fin, hein, très fin, et si on tient comme ça, ça peut faire mal aux mains. Déjà juste comme ça, ça me fait mal à la main. Donc, et sinon, ouais, l'avantage c'est qu'elle est vraiment, elle est vraiment longue. Donc voilà, très grand. Et il y a directement le pas de vis ici. Et on va essayer avec la caméra si c'est compatible. Oui, donc c'est standard, hein, parfait. Je vous montre, voilà. Et ça bouge comme ça. Parfait.
Donc je le dévisse. C'est bien, est-ce qu'ici il y a une petite molette sur directement pour dévisser. Donc on ne doit pas tourner la caméra. Donc ils ont prévu tout. Voilà, parfait. Bon, bon la qualité du métal ici, on peut faire mieux. Mais bon, c'est pas cher avec les accessoires. Hop, c'est un peu dur pour la replier. Mais bon, ça va se faire avec le temps. Hop, voilà, et ils ont donné la petite boîte qui est abîmée, bien sûr, avec le transport. Hein. Donc, après, on a la perche selfie. Donc, la perche également, mais pour l'eau. Avec, ça, c'est pour pas perdre la caméra dans l'eau. Donc, ça flotte. Donc, je suppose qu'il faut mettre directement. À moins qu'on peut mettre une fixation en plus. Les accessoires. Bon, ça, c'est à regarder dans les accessoires en plus. Mais sinon, on peut... Ouais, donc il faudra dévisser ça et mettre directement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils fournissent une sangle aussi avec. Et un vis encore. Hein. Donc combien ils vont en donner? Donc oui, donc c'est pour fixer, c'est normal. Donc parfait. Donc un tripod encore. Donc un tripod pliable. Donc pour accrocher un peu partout. Ah bon. bon en direct, hein, vous voyez, c'est pas de la qualité. Il est cassé déjà. Vous voyez, c'est vraiment la camelote. Donc j'en ai eu un cassé. Donc on va aller voir Gearbest, hein, pour dire que le tripod ici est cassé. Hein. Ils vont m'en envoyer un autre. Donc ça avec Gearbest, il n'y a pas de problème. Hein, si ça arrive, un petit accessoire. Bon, de toute façon, ça doit coûter aller dans les 1 euro, même pas. Donc voilà, bon, ça arrive, vous voyez. Donc là, vous avez d'autres fixations pour, coller où vous voulez, hein, des supports de fixation pour coller. Là, vous avez un genre de tournevis, hein, pour ça. Donc si vous n'avez pas de force dans les mains, vous pouvez serrer correctement, donc il n'y a pas de vis. Donc ici vous avez encore un accessoire ici pour accrocher, donc si vous voulez mettre ça ici par exemple, faites ça, ça c'est pratique, comme ça vous pouvez mettre directement comme ça, avec le boîtier étanche aussi si vous voulez. On peut faire ça, donc c'est ça que je cherchais tout à l'heure, à moins que non, on peut pas, si, voilà, ici, donc je suppose que ça on peut l'enlever peut-être, sinon ouais, ce serait ballot, on sait pas le faire. Bon, ok, bon, ça c'est à regarder en détail. Après ici, on a une autre sangle. Trop fort. Donc ça c'est pour mettre sur la tête, donc ça se met sur la tête. Ok, donc là vous avez, donc ils ont mis un truc genre collant, mais c'est pas collant, c'est doux, c'est pour pas que on se fait mal, hein, sûrement avec l'usure, le frottement, mais sinon c'est très doux. Bon, c'est ça va, c'est bien. Mais bon, je me vois mal mettre ça, il faut un casque ou autre, mais bon. Pour ceux qui font de l'escalade ou je sais pas, mais moi j'ai pas vraiment l'utilité de ça. Mais bon, c'est comme c'est fourni, c'est jamais, hein, peut-être j'aurai l'utilité. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec celui-là qui est cassé, 14, et avec les autres accessoires, 15 et 16. Donc on a bien le compte avec le tripod cassé.
Donc on voit bien qu'il y a eu un petit souci, peut-être sûrement pendant le transport ou à l'usine. Hein. Parce que je vois pas comment il aurait pu se casser comme ça ici. Ouais, donc là, c'est censé être pliant. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. C'était Dingo Dorwan pour les accessoires, donc pour la caméra Xiaomi ou pour les caméras GoPro, donc pour les caméras d'action. Un grand merci. À la prochaine. Abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi sur mon blog. Merci. Yeah. Like the attention, girl, I know you.